Bonjour, bienvenue chez O2L Boulangerie Pâtisserie à Saint-Martin-en-Haut. Pour Noël, nous vous allons vous présenter tous les pains spéciaux à base de figues, seigle, ainsi que les panettones maison, les bûches glacées, pâtissières, les ballotins de chocolat, voilà. Donc maintenant, je vous propose de me suivre dans l'atelier chocolaterie pour vous montrer comment on réalise tous ces chocolats. Donc pour aujourd'hui, ce sera un bonbon moulé avec une ganache cassis et chocolat blanc. Donc on va procéder au moulage du bonbon, de la coque chocolat noir. Ensuite, nous faisons chauffer la purée de cassis avec un petit peu de sucre à 70 degrés. À l'intérieur, nous allons y ajouter donc la crème fraîche. Ça va lui donner un côté onctueux. Ensuite, on incorpore le beurre qui va fixer le goût du cassis et qui va donner un côté gourmand. On a laissé fondre le beurre tout doucement. Ensuite, on va pouvoir y rajouter la couverture blanche. En pâtisserie, on appelle ça le chocolat de couverture. C'est ce qui va donner la texture finale à la ganache quand elle aura un peu refroidi. Et puis, il faut juste ce qu'il faut en quantité pour pas qu'elle soit trop dure et qu'elle reste agréable en bouche. On pourrait sentir les arômes du cassis qui ont été renforcés par la crème et fixés par la matière grasse. Donc là, on va débarrasser, réserver au frais, car si on moulait maintenant, elle serait un petit peu trop chaude et referait fondre la coque chocolat. Donc voilà, nos coques sont prêtes, elles ont refroidi et notre ganache aussi, juste la texture qu'il faut pour pouvoir mouler. Donc là, je vais pouvoir l'insérer à l'intérieur à l'aide d'une poche. C'est d'avoir un trou pas trop gros et d'être régulier dans le remplissage. Donc là maintenant, on va refermer le bonbon avec la couverture noire. Et après une petite demi-heure de passage au frigo, on va pouvoir procéder au démoulage. On a de la brillance, on va regarder maintenant la coque. Parfaite dégustation. Donc une fois qu'on a fini l'atelier, on va procéder à la mise en place dans la vitrine pour donner envie. Et voici. O2L, c'est aussi la réalisation de toutes nos glaces, sorbet, avec une grande gamme vanille, chocolat, café, citron, framboise, que vous aurez à disposition pour les fêtes. Donc O2L vous accueille du mardi au dimanche, ouverture très tôt le matin à 5h, 5h30 jusqu'à 19h. Vous pourrez retrouver donc tous nos produits festifs. Nos vendeuses seront là pour vous conseiller. Juste une petite information, cette année, nous serons fermés donc, le 25 décembre afin que chacun de nos collaborateurs puisse profiter de leur famille. Si vous voulez bien sûr consommer local, poussez notre porte, vous serez les bienvenus et surtout, je pense, au meilleur endroit.